Bonsoir et bienvenue sur Lost TV. Nous sommes ici à la salle Collet où se déroulent les dernières mises au point pour la soirée souper ciné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu de Los Angeles et vous avez une participation active à cette soirée du vendredi 5 avril, souper ciné. Je participe à l'élaboration de cette action depuis le début de l'année, dans la mise en place, par le biais de réunions régulières et dans la préparation pour justement ce 5 avril. Donc, je vais tenter de vous demander, qu'est-ce que c'est que le souper ciné? Alors, le souper ciné, c'est le fait de réunir la population de Los, mais aussi de venir aussi des quartiers autour d'une soupe qui est élaborée par un groupe de personnes qui sont du quartier et de pouvoir amener convivialité, gaieté, d'amener aussi le fait de pouvoir faire changer le quartier vers un mieux vivre, alors qu'on vit déjà bien, mais je veux dire encore mieux, par ce qui pourrait être réalisé dans ce quartier. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes bénévole pour cette soirée du 5 avril pour le souper ciné, et quelle est votre participation pour cette soirée et pourquoi vous avez choisi de participer justement, d'être bénévole pour ça? On fait partie tous d'un groupe de tous autour de la table qu'on se réunit tous les jeudis et ça fait la deuxième fois qu'on fait et ça nous a plu donc on est toujours partant pour le faire. C'est un plaisir puisqu'on travaille avec Pierre Damageux. On est deux élus qui suivent un peu ce projet particulièrement sur le quartier ouest donc pour travailler justement à préparer cette soirée souper ciné du 5 avril. Donc le but alors du souper ciné, c'est quoi? Alors le souper ciné, on travaille, on a fait plusieurs réunions avec les habitants du quartier, avec Thibaut qui travaille, qui est animateur sur le quartier ouest depuis plusieurs mois maintenant. Et on utilise le support du cinéma pour amener des débats avec les habitants, avec les techniciens sur le quartier, sur la vie de quartier, sur la thématique des voisins, sur le vivre ensemble, sur comment on imagine notre quartier dans l'avenir. Et souper ciné, comment c'est venu en fait à l'esprit? Parce que bon, il y a d'autres genres de manifestations. Oui, mais justement, là, on travaille avec les rencontres audiovisuelles sur cette thématique du cinéma. Et le film, c'est un bon support pour permettre le débat avec les habitants. Puisqu'on choisit, en fait, ils nous proposent plusieurs, sur la thématique mondaine, ils nous proposent plusieurs films. Et après, ben, on choisit ensemble les films qu'on veut passer à la soirée. Et on dit pourquoi, on réfléchit ensemble sur ce que ça va apporter au débat. Le vendredi 5 avril, il y a le souper ciné. Est-ce que vous pensez venir à cette manifestation? Oui, je serai présente avec plusieurs mamans pour préparer les soupes. Des soupes à l'oignon, soupes à l'air. Et comme ça, nous pouvons parler avec des habitants de Sangouël, dire les difficultés qu'il y a dans ce quartier, l'améliorer. Et puis rester tous ensemble pour souper. Ah, je serais très honoré d'être participant à cette soirée, dans la mesure que il y aura une manifestation afin de rencontrer tous les habitants de Sorouen. Suite à cette rencontre de tous les habitants de cette ville, la soupe à l'oignon, la soupe au l'air et la soirée ciné. Donc on ne peut pas, franchement, éviter ça. Ouais, donc, en tant que petit, c'est une très bonne soirée. Ah, ce sera une très bonne soirée. Ah ben, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne soupe le 5 avril. Le vendredi 5 avril, on le rappelle, oui. Soupe ciné à Los Angeles, salle Collet. Collet, voilà. Pour moi. Et je vous remercie. Merci.